Yo les amis, voici l'item le plus cher de ma collection. Et oui, tu ne rêves pas, je collectionne Pokémon depuis maintenant 8 ans, on va dire. Et l'item le plus cher dans ma collection, c'est un item que j'ai acheté en 2021. Et oui, comme quoi, hein, le pic de la hype y est pour beaucoup. Et d'ailleurs, si je fais cette même réflexion, beaucoup d'items ont pris énormément de valeur uniquement pendant la période de hype. Alors c'est vrai qu'après, du coup, c'est compliqué de baisser. D'ailleurs, cet item-là n'a fait globalement que de progresser, et c'est un item qui progresse beaucoup, et on va voir un petit peu ensemble de quoi est constitué cet item. Alors il est parfaitement scellé. Moi, je ne l'avais pas trouvé en boutique. C'était très très compliqué, hein. Ceux qui me suivent le savent sur la chaîne. Je l'avais acheté du coup en boutique spécialisée et j'ai dû mettre le prix puisque j'ai déboursé 300 euros. On verra à la fin de la vidéo ce qu'il y a à l'intérieur et combien il vaut à l'heure actuelle. À combien tu peux le trouver facilement, hein. C'est vraiment l'idée. Tu as ici tout le descriptif, il est très très bien fourni puisqu'il propose pas moins de 17 boosters de la série 25 ans, mais aussi 8 boosters. Alors je ne sais plus exactement les boosters qu'il y a à l'intérieur, mais je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Et le point fort aussi, ce sont les 4 cartes promotionnelles, les 2 métalliques et les 2 cartes en français. Alors on va se mettre tranquillement sur le bureau, tu t'aperçois qu'il prend trop de place et je ne peux pas bien cadrer. Et on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, la valeur de chacun des items pris séparément et voir s'il y a une inflation de prix ou pas, parce qu'il est parfaitement scellé. On voit qu'en ce moment, la différence entre le scellé et le non scellé n'apporte pas grand chose. Est-ce que ce coffret là fait figure d'exception ou pas? Allez, let's go. Bon, et pour mettre dans le contexte, tu le sais, hein, série 25 ans, on fête les 25 ans de Pokémon. Ça a été vraiment le sommet de la hype, très très compliqué. Maintenant, tu es plus rodé, tu as vu les différents Ultra Premium qui sont sortis, beaucoup plus de disponibilité, du moins sur le marché secondaire. Le coffret Dracaufeu, l'Ultra Premium Dracaufeu, maintenant l'Ultra Premium Mew, ce sont des coffrets qui ne sont pas trop appréciés avec le temps, même s'ils sont plus chers que leur prix de sortie. Mais rien à voir avec ce coffret-là des 25 ans. C'était une première avec ce format-là. Et d'ailleurs, tu prends nos voisins européens. La version anglaise de ce coffret-là se vend lui aussi assez cher. On est à plus de 300 euros comparativement aux versions anglaises de l'UPC Dracaufeu et Mew qui se trouvent aux alentours d'une centaine d'euros. Et tu vois là aussi une grosse, grosse différence entre ces différents items et ces tendances qui s'installent. Et on ne pourra pas comparer l'Ultra Premium 25 ans à l'Ultra Premium Mew. Pour moi, c'est incomparable parce que le contexte est complètement différent. Alors, on va revenir à l'intérieur de cet Ultra Premium. Il faut savoir qu'il y a 17 boosters de la série 25 ans. Il faut faire attention, la série 25 ans est une série particulière puisqu'il n'y a que 4 cartes à l'intérieur et de mémoire, elle a un taux qui est plutôt exceptionnel, même je pense assez inédit, puisque tu pouvais sur le long terme avoir un booster, une ultra. Tu as une série classique et une série collection, et évidemment le point fort c'est la série collection. Dans cette série-là, tu as on va dire 3 cartes qui se démarquent des autres, disons par leur tarif et leur popularité. Le Dracaufeu, évidemment, du set de base, donc réédité, hein, qu'on avait déjà vu avec XY Evolution. Mais aussi la carte Gold Mew, qui fait figure un petit peu d'exception, parce qu'en règle générale, les cartes Gold ne sont pas appréciées, mais celle-ci est plutôt très appréciée. Et enfin, la Noctalie Star. Donc, 3 magnifiques cartes qui poussent en avant la série des 25 ans. À l'heure actuelle, tu peux trouver quand même pas mal de coffrets scellés. Sans aller sur des coffrets aussi chers, tu peux trouver des coffrets Zacian qui proposent 4 boosters, plus 2 boosters recyclés, et ces coffrets-là, tu peux les trouver raisonnablement pour 55 euros. Ça veut dire qu'un booster non trié, non pesé, de 25 ans, se trouve raisonnablement autour de 12-13 euros. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. Par conséquent, si tu fais un calcul, plus les 4 boosters qui sont, les 8 boosters qui sont à l'intérieur, comme tu peux voir ici, les 8 boosters plus les 17 boosters, on est grosso modo aux alentours de 250 euros du contenu. Donc contenu booster, 250 euros. Et là, on ne parle pas de cet item-là, on parle uniquement
tes boosters qui sont présents à l'intérieur. Donc déjà, tu as une base solide, hein. Tu es déjà à 250€, ce qui est largement supérieur au prix standard que l'item était proposé, puisqu'à cette époque-là, on devait tourner aux alentours de 150€, comme on a pu voir sur les différents ultra premium, que ce soit le Dracofeu ou le Mew. Pour l'instant, on en a 3. Est-ce qu'on en aura un pour 4.5? J'ai l'impression qu'ils utilisent un petit peu trop facilement cet item-là, maintenant, parce qu'ils savent très bien que bah, c'est un item où beaucoup de gens vont se déplacer. Et voilà, hein, c'est l'item le plus populaire du moment. 4 cartes promotionnelles, 2 versions anglaises, et tu l'as compris, étant donné que le coffret coûte très cher en anglais, hein, plus de 300€, 350€. Par conséquent, c'est pas la dingringolade pour les cartes anglaises métalliques. Contrairement à la carte Mew, où bah, le coffret étant à 100-120€, c'est la dégringolade. Donc là aussi, il faudra plutôt aller voir sur le marché européen pour se procurer ces cartes-là. Je te l'ai déjà dit, je te le répète, les cartes, quand elles sont anglaises ou japonaises, c'est beaucoup plus facile de les acheter à nos voisins. Et souvent, elles sont de bien meilleurs prix. Tu peux gagner 20, 30, 40€ sur une carte comme ça. La carte Dracofeu, tu peux la trouver, encore une fois, en dehors du coffret. Et puis, c'est plus intéressant parce que tu pourras t'assurer de la qualité de la carte. Parce que même si la carte est neuve dans le coffret, tu n'es jamais à l'abri à un petit défaut. Là au moins, tu pourras t'en assurer. Alors c'est vrai qu'il y a souvent et régulièrement des dommages. Et c'est pour ça qu'une carte comme ça, ça vaut aux alentours d'une 100aine d'euros. Mais voilà, je pense qu'une carte en parfait état, ça peut aller beaucoup plus haut. N'oublie pas ça, c'est un détail qui a son importance. Puisque je pense qu'une carte vraiment nickel de ce Dracofeu pourra coûter bien plus cher que le prix standard que l'on a pu voir en Nirmint. Nirmint, ça t'enlève pas les petits défauts qui est aux alentours d'une 100aine d'euros pour cette carte métallique. Et franchement, j'aimerais bien l'avoir entre les mains parce que c'est quand même une très très belle carte. On va aller voir du côté de la carte Pikachu. Donc là aussi, édition 7 de base. Elle est beaucoup plus bon marché. Mais là aussi, alors le point fort de l'acheter, on va dire, d'occasion, c'est que tu pourras t'assurer de l'état et on tourne aux alentours d'une 50aine d'euros. C'est très important puisque ces deux cartes, tu pourras les vérifier. Et elles sont vraiment pas à l'abri de défauts. On a vu énormément de défauts sur ces cartes-là avec de plus ou moins gros défauts. C'est un petit peu le point fort que tu peux avoir lorsque tu vas acheter ce coffret, enfin les items qui constituent ce coffret, indépendamment que l'item CD. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'un item comme ça, tu as envie de le déballer? Voilà, ça c'est un petit peu le... Je pense que les gens qui collectionnent cet item-là parfaitement scellé, c'est pour le garder parfaitement scellé dans sa collection. Et si tu veux avoir les différents items qu'il constitue, bah, tu vas les acheter indépendamment. Sans compter que les boosters, bah, peut-être que tu as déjà fait tes ouvertures et tu n'as plus besoin d'avoir des boosters. Donc on a dit le Dracofeu à 100€, on a dit la Pikachu à 50€, mais on garde en tête que là, ça peut être beaucoup, beaucoup plus cher si la carte est en excellent état. Et ça, ça sera intéressant pour faire le bilan final de savoir si cet item-là est plus cher, beaucoup plus cher que ce qu'il est, de quoi il est constitué. Deux cartes promotionnelles. Alors franchement, j'aurais pas cru que ces cartes-là soient si chères. On est sur un format carte gold, on est sur une promo. Alors oui, je sais, on est sur Pikachu, mais pas que. Rappelle-toi qu'il n'y a pas que un Pikachu, tu as aussi une Pokéball. Et même la Pokéball, eh ben, elle vaut un petit peu. Elle est aux alentours d'une 40aine d'euros. Là aussi, tu pourras t'assurer de son état. Mais en règle générale, ces cartes promo qui sont dans des sous-blisters sont relativement bien protégées. 40€. On a 100€, 150€ pour la Dracofeu, 50€. Donc déjà, ça alourdit pas mal la note. On est à 190€ pour l'ensemble de ces trois items. Et enfin, on terminera avec une très belle carte promotionnelle, la carte Gold Pikachu. Là aussi, elle est plutôt très chère et elle tourne aux alentours de 80€. Évidemment, je parle de l'item français, des cartes françaises pour ces deux promos. Et dans un état, on va dire grosso modo, un bon 9,5. Un bon truc, tu vois, quand même. Quand tu l'as fait grader, elle a une belle note. Donc là, si tu fais l'ensemble de la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur en carte promotionnelle, tu es à 270€ minimum. Minimum. Ça veut dire que la cotation de 100€ de la Dracofeu, c'est certainement un petit dommage. Donc minimum. Donc tu es déjà à 270€. Tu rajoutes à ça les 250€ que composent les boosters,
était déjà à 520 euros. Oui, 520 euros, ce qui est assez colossal. Moi, j'avais acheté cet item-là, je pense que c'était quelques semaines après sa sortie officielle en boutique, voire même, je pense que même pas quelques semaines, à 300 euros. Tu as déjà à l'intérieur 520 euros. Et maintenant, alors, combien ça coûte un item comme ça? Alors, j'ai un petit peu regardé et j'ai l'impression qu'on peut le trouver à 600 euros tout rond. Il y a quelques offres à 600 euros, sous scellé évidemment. Il peut y avoir des petits défauts de scellage. Petits défauts de scellage, c'est ça. Des petits coins usés. Des petits coins usés. Mais pas de gros chocs. Tu vois, des petits points comme ça. En ce point plus, il a des petits points, le blister. Hein. Ce qui est normal, hein. C'est le blister d'origine, il est comme ça. Moi, je crois l'avoir reçu avec ça. Bah, c'est normal, hein. Tu sais, c'est envoyé par la poste. Bah, tu connais la poste, hein. Les colis, ils se baladent, hein, c'est normal, c'est dans le camion, hein, c'est comme ça. Mais sinon, il est vraiment en très très bon état. Je me demande si je vais pas acheter une case autour pour le protéger encore mieux. Mais en tous les cas, moi, il n'a pas pour vocation de partir de ma collection. Je le garde précieusement en scellé. Donc rappelle-toi que 600 euros, c'est l'item que tu peux trouver globalement. 520 euros, c'est grosso modo ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu aperçois que la plus-value de l'avoir en scellé, que si tu l'avais ouvert et gardé bah, tous les items bien consciencieusement chez toi, c'est à peu près 80 euros, mais encore une fois, l'avantage que tu peux avoir d'acheter les éléments séparément, c'est de t'assurer de l'état au moins des deux cartes promotionnelles, carte gold, métallique. Parce que celle-ci, elle présente vraiment de défauts, sans compter qu'on ne sait pas trop. Parce que moi, j'entends des bruits quand ça se balade. Alors j'espère qu'il n'y a rien qui se balade et que ça soit. Voilà. Enfin, en tous les cas, c'est ma plus belle pièce que j'ai en scellé. La plus belle pièce que j'ai en scellé dans ma collection. Je la trouve vraiment magnifique. Esthétiquement parlant, elle est super jolie. En plus, c'est un item un peu historique. C'est la première fois qu'on a des ultra premium. C'est les 25 ans, c'est quand même quelque chose. Je trouve qu'ils nous avaient pas beaucoup gâtés pour les 20 ans. Il y avait très peu d'items, des duopacks, des coffrets standards. Là, au moins, ils se sont cassés la tête pour nous proposer de beaux items. Après, est-ce que cet item-là peut monter? Encore une fois, je vais être assez basique. Tu dois surveiller les éléments qui constituent l'intérieur de ce coffret. Parce que tu le vois bien, il n'y a pas une grosse différence de prix entre ce qu'il y a à l'intérieur et l'item proposé en scellé. Comme quoi, l'attrait scellé n'est pas si colossal, parce qu'il y a peu d'items hein, comme ça. Il y a peu d'items. Il y a peu d'items, il y a quand même beaucoup de cartes promo. Malgré tout, tu t'aperçois qu'on regarde le Dragofeu qui est internationalisé. Eh ben, voilà, je ne suis pas certain qu'il va beaucoup évoluer. Donc j'ai même l'impression que ce qui constitue l'intérieur a même tendance un peu à baisser. Est-ce que ça entraînerait une baisse sur l'item scellé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un petit peu le point fort du scellé, c'est qu'il va baisser différemment. Il augmentera certainement sur le prix des items qui le constituent, mais c'est une base solide qui fait qu'il ne diminuera pas de la même manière que les cartes pourront diminuer. Ça, c'est intéressant, et c'est peut-être là le point fort du scellé. C'est le fait que c'est des bases solides et à un certain moment, il va se dissocier si l'item devait baisser. Donc par conséquent, je pense qu'il est très très bien assis sur 600 euros. Je ne pense pas qu'il va beaucoup progresser, sauf si ben, d'un coup, il y a énormément de collectionneurs de scellés qui reviennent dans le marché en se disant « moi, je veux du scellé, non pas les items qu'il constitue », mais avoir un petit peu l'évolution de tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais l'idée du scellé, c'est avant tout aussi un support solide face à la pression qui pourrait être baissière sur les items qui constituent le scellé. Ça, c'est important de voir ça. Donc voilà, je me dis, la hausse passera sûrement par ce qui constitue l'item et certainement pas par les deux cartes métalliques, parce que je pense qu'elles sont trop disponibles à cause qu'elles soient en anglais. Heureusement, on a la chance d'avoir le coffret qui soit cher en anglais. Donc il faudra surveiller les deux autres cartes promotionnelles et surtout les 8 boosters et les 7 boosters. 8 boosters parce qu'on ne sait jamais, s'ils passent de 5 euros à 10 euros, bah tu gagnes l'augmentation. Et aussi les 17 boosters, bah là aussi, hein, si plus la série va s'apprécier, donc là il faudra regarder non pas le prix du booster, mais les cartes, si elles augmentent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même on a eu des diminutions hein, sur la Mew Gold, sur la Noctali Star, elles ont baissé de prix. Hein, c'est des cartes qui tournent sur l'entour de 60 euros. Elles étaient à 100 euros à un moment. Donc voilà, tout ça, faut surveiller de tout près, mais pour moi, cet item-là est corrélé pour l'instant à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si c'est ce qui est à l'intérieur diminue, ça va se décorréler. Mais si c'est à l'intérieur ce qui augmente, ça va se continuer à se corréler comme ça. C'est mon avis. Je pense que je ne me tromperai pas là-dessus. On verra en tous les cas. Magnifique item scellé. Franchement, c'est un superbe item. Et tu vois, je collectionne depuis très longtemps.
Ben, c'est les meilleurs items. Alors, j'ai peut-être pas fait les bons choix, évidemment. Hein. Il y a peut-être des items qui ont beaucoup plus performé. Mais tu vois, j'ai des coffrets Rayquaza qui sont quand même anciens, hein, de 2015-2016, coffrets Absol. Ce sont des coffrets très très jolis et pourtant qui sont pas si excessifs que ça, comparativement à celui-ci qui était en 2021. C'était hier. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Hein. Ciao, ciao.